Son Excellence José Gomez, ambassadeur de France, Madame Myriam Jean, ministre du Tourisme, Monsieur Pradel Henriques, ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Alexandre Côté, chef de coopération et conseiller politique, commerce et affaires publiques de l'ambassade du Canada, Monsieur José Lozano, qui n'est pas là, chargé d'affaires de l'ambassade d'Espagne, Monsieur Grégory Jean, attaché culturel de l'ambassade de Suisse, Monsieur Juan Nadal, premier conseiller de la délégation de l'Union européenne, et Monsieur Rothschild François Junior de la BRH, Mesdames et Messieurs de la presse, Joël Mayer, directeur artistique du Pop Jazz, et moi-même, Milena Sandler, directrice générale, nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence de presse de lancement de la 15e édition du Pop Jazz. Quelle chance nous avons de pouvoir offrir à notre fidèle public un festival en présentiel, quand on sait que la grande majorité des festivals, des concerts, des spectacles culturels dans le monde entier ont été annulés, reportés, ou mieux, réalisés sans public et filmés pour être retransmis sur les réseaux sociaux. Et quel privilège pour nous de pouvoir accueillir des artistes venus de partout, et qui pour la plupart sont à l'arrêt dans leur pays depuis presque un an. Ils vont certainement tout donner pour le plaisir du public et pour le leur. Pour cette 15e édition, le Pop Jazz ne déroge pas à sa promesse d'être le grand rendez-vous annuel des mélomanes et amateurs de culture du début d'année. Du 16 au 23 janvier, Port-au-Prince sera en fête à nouveau pour 8 jours avec une quarantaine de concerts, à 80% gratuit, et plus de 15 ateliers et de masterclass qui seront cette année offerts au Centre d'art. Le Caribé Hotel, l'Institut français et l'Université Quisqueya accueilleront les artistes de 13 territoires, Allemagne, Belgique, Cameroun, Canada, Cuba, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Haïti et bien sûr Haïti, La Réunion, la Russie et Trinidad et Tobago, sans oublier un projet artistique soutenu par l'ambassade de Suisse. Et enfin, le quartier latin, Café 36 et la réserve, se transformeront une fois de plus en after hours chaque soir du Pop Jazz. L'Allemagne, pays à l'honneur de cette 15e édition, saisira cette occasion pour faire la promotion de sa destination et présentera un duo exceptionnel. Cette année, le Pop Jazz sera en live et en live. Pour la première fois, et grâce à la BRH, toutes les grandes scènes du Pop Jazz seront aussi retransmises en Facebook Live, sur Chocarella et sur la page du Pop Jazz, et en cross-posting sur Haitian Times, la page bien sûr du ministère de la Culture et de la Communication, Métropole et le Haitian Ladies Network. Digicel et Access Haïti accompagnent cette diffusion. Nous célébrerons les 6 ans de la décennie internationale afrodescendante et à cette occasion, le bureau de UNFPA présentera le 22 janvier à l'Université Quisqueya un mini-documentaire sur le tambour. Car, et je cite, c'est un des instruments culturels pouvant faciliter le dialogue pour l'accès aux droits des personnes d'ascendance africaine. Et je vais lire le petit mot de l'ambassade des États-Unis qui ne peut pas être présente ce matin. Cette année, l'ambassade des États-Unis en Haïti suscitera la participation de jeunes artistes musicaux haïtiens à travers un échange virtuel innovant qui les mettra en contact avec l'expert percussionniste américain Tom Tisley. Nommé percussionniste mondial de l'année par Drums Magazine, Tom Tisley partagera sa grande expérience issue d'une carrière unique en tant que percussionniste et compositeur lors d'une série d'ateliers virtuels qui seront donnés à Dange et à Quatre Prestoirs. Ces ateliers virtuels contribueront au développement professionnel des musiciens haïtiens talentueux en forgeant leurs compétences artistiques et commerciales. Et bien sûr, le Pop Jazz est sécuritaire et éco-responsable. Des mesures barrières pour combattre la propagation du Covid-19 sont mises en place sur toutes les scènes du Pop Jazz. Prise de température à l'entrée, distribution de gel hydroalcoolique grâce à la perle SA, voyez, voilà,
réduction de la jauge, port du masque exigé pour l'accès sur les sites et lors des déplacements, et distribution de masques par le ministère de la Citoyenneté et du Patriotisme pendant le RARA de Pologne. En outre, grâce au support de plusieurs partenaires comme Wingaz, la direction des affaires étudiantes de l'Université Quesqueya, le programme AROCHE et le programme AROCHE, le Pape Jazz maintient son initiative éco-responsable avec le Pape Jazz Vert, les verres réutilisables, les bouteilles, donc à part les gels hydroalcooliques, pas de plastique, pas de bouteilles en plastique sur les sites du Pape Jazz. Vous êtes habitués également à recevoir le petit livret et cette année, ce livret est en format numérique et vous allez le recevoir bien sûr dès aujourd'hui sur vos réseaux. Ils seront sur les réseaux du Pape Jazz, sur le site et envoyés par WhatsApp et toutes sortes de moyens virtuels. Les billets, nous avons donc trois scènes payantes, comme toujours, le premier samedi, le dimanche et le dernier samedi du festival. Les billets pour l'accès sont à 2500 gourdes et nous offrons comme toujours aussi le Pape Jazz Pass à 6500 gourdes, ce qui donne une réduction de 1000 gourdes. Les billets à partir d'aujourd'hui, et déjà depuis hier en fait, sont disponibles à La Pléiade, au Caribbean Hotel, aux deux librairies La Pléiade, au Caribbean Hotel et sur La Caïti. Bien sûr, toutes les autres scènes du festival sont gratuites. Je rappelle que le festival est à 80% gratuit. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, les fidèles et aussi ceux qui nous rejoignent pour la première fois et pour longtemps. Bien sûr, le ministère de la Culture et de la Communication, nous sommes sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, la BRH, le ministère du Tourisme, le programme AROCHE, PROCAM, JPHAO, la direction des affaires étudiantes de l'Université Quisqueya, le Centre culturel brésilien UNFPA, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, l'ambassade du Canada, l'ambassade d'Espagne, l'ambassade de France, l'ambassade de Suisse, l'ambassade des États-Unis, Wallonie-Bruxelles International, Wingaz, Heineken, Profin, Bardancourt, Air Caraïbes, Brise, Caribbean Hotel, Ladi, Affiche-toi, Sunrise, Des Musiques pour Digicel, Radio-Télémétropole, Haitian Times, Sounds Good Rentals, Access IT, Prophet Light Tech, 509 Sanitation et la Perle SA. On fera d'autres remerciements après. Joël, je te laisse la parole. Merci Mélina, bonjour tout le monde. Alors moi j'invite à prendre la parole les différents ambassadeurs représentants des différents pays du festival, des groupes qui ont participé au festival. J'invite le Seigneur tout honneur, payé à l'honneur cette année, l'ambassadeur d'Allemagne, M. Jens Krautmasser. Et nous sommes aussi très remerciants au destin que nos deux artistes puissent venir. Vous savez que la pandémie actuelle fait rage en Europe. En Allemagne, on a dû confiner tout le monde jusqu'à la fin du mois de janvier. Et être en mesure d'amener deux jeunes artistes d'exception en Haïti pour ce festival en présentiel, c'est vraiment un grand bonheur. Pour le présenter, on va avoir donc deux artistes, un grand saxophoniste qui a à peine 20 ans, qui est issu donc de nos programmes de soutien aux talents musicaux. Donc nous avons Jakob Mantz, un saxophoniste, comme je disais, un saxophoniste qui a déjà joué avec l'orchestre fédéral de jazz, qui est un de nos grands corps musicaux, et qui a issu donc dans tous les concours musicaux de sa promotion. Il vient de publier son premier disque, été dernier. Malheureusement, il a
peu de chance actuellement les présenter. Donc nous sommes très très ravis d'avoir lui ici. Deuxièmement, on a un pianiste qui l'accompagne, un pianiste qui n'a pas encore 30 ans non plus, qui joue avec Jakob Mans en duo, mais aussi avec le groupe Jakob Mans Projet, qui est un groupe jazz bien connu en Allemagne aussi. Et je crois que avoir ces deux artistes ici, qui sont des artistes pas d'un seul genre, mais très très multi-musical, ce sera vraiment un vrai bonheur et un plaisir de les écouter. Et je vous invite donc à des deux concerts qui le font. Merci. Et si vous avez des questions, je suis bien évidemment ouvert à ces questions. Merci. Alors en fait, pardon, c'est Madame Françoise Ballet, directrice de l'Institut français en Haïti, qui prend la parole. Bonjour à tous, donc je suis Françoise Ballet, la directrice de l'Institut français d'Haïti. L'ambassadeur de France, excuse, il a dû partir, il était là, mais il a dû partir d'urgence. Donc il m'a demandé de prendre la parole à sa place. Donc la France, un peu comme l'Allemagne, est ravie de participer à ce festival phare. Je pense que c'est vraiment essentiel de soutenir, de se serrer les coudes dans cette période et de soutenir toutes les bonnes manifestations. Et la France a toujours participé, je crois, aussi au festival. Moi, je suis récente ici, donc je ne connais pas toutes les ficelles, mais bon, je crois que c'est depuis longtemps que aussi la France et l'Institut français collaborent avec le Pop Jazz. Cette année, nous accueillons le jazzman Jackie Terrasson, qui est un grand jazzman reconnu dans le monde entier, qui a beaucoup voyagé, qui a vraiment une carrière internationale extrêmement importante, mais il n'était jamais venu en Haïti. Et quand le Pop Jazz lui a proposé de venir en Haïti, il était absolument ravi. Ravi, tellement ravi qu'il est très très pressé. Je l'ai eu hier au téléphone, il est très pressé d'arriver. Surtout que, comme le disait l'ambassadeur d'Allemagne, les activités en Europe sont annulées. Et donc c'est pour eux, vraiment pour les artistes qui viennent ici en Haïti, c'est une vraie respiration, ce pays, pour pouvoir venir se présenter. Donc à l'Institut français, nous aurons trois soirées. La soirée avec Jackie Terrasson, donc le 19. Le lendemain, donc le 20, nous aurons l'équipe belge et l'équipe avec Toine et Dervish et l'équipe espagnole et cubaine. Et puis le lendemain, nous sommes ravis le jeudi d'accueillir un plateau découverte. Ça, c'est toujours aussi c'est toujours festif et très agréable pour les jeunes de pouvoir se confronter à leur public. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexandre Côté et là, en Haïti depuis un an, donc c'est un plaisir pour me venir là aujourd'hui. Messieurs et Madame les ministres, nous sommes ravis que vous soyez là ce matin, évidemment. Les ambassadeurs, représentants des missions diplomatiques et des pays partenaires, Joël et Mylène, les membres du comité du festival, mesdames et messieurs. Donc c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui, au nom de l'ambassade du Canada, pour le Pop Jazz 2021. Après une année 2020 bien spéciale, on va dire, cette fête musicale de grande qualité nous fera beaucoup de bien. Donc il est essentiel pour nous tous, de continuer de soutenir les artistes et la communauté culturelle. Les arts et la musique, comme vous le savez, sont des piliers de nos sociétés et que nous devons soutenir et défendre, mais aussi pendant les bons moments, mais aussi pendant les temps difficiles. Le Canada est ravi de voir que la Fondation Haïti Jazz continue à mettre en avant-plan les artistes haïtiens internationaux et nous sommes très fiers d'être un des partenaires de la 15e édition du festival de cette année. Et particulièrement, nous sommes fiers de soutenir la performance de l'artiste canado-haïtienne Mélissa Dauphin. Nous croyons qu'elle est un exemple des liens, et des liens forts et de l'amitié qui existe entre le Canada et Haïti. Et sa première participation, Mélissa, je crois qu'elle avait participé auparavant en 2018
Sa participation avait été un franc succès, donc nous sommes ravis de pouvoir la revoir sur scène cette année. Comme vous le savez, sans doute certains d'entre vous, c'est une merveilleuse artiste, elle s'inspire de différents courants, différentes cultures, inspirations musicales. Pour nous présenter son monde musical bien à elle, qui est doux et enchanteur, et je crois que vous allez être charmés par Mélissa. Elle aura sa performance le 21 janvier à l'Université Quisqueya, donc on vous invite particulièrement à cette performance-là. Mais on vous invite évidemment à participer en grand nombre aux différentes activités qui auront lieu au cours du Pap Jazz. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux Pap Jazz 2021. Merci en pile. Nous serons représentants diplomatiques, membres de la Fondation Elias Pap. L'ambassadrice, Mme Sylvie Tabès, m'a demandé de la représenter aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de participer au lancement de cette émission. L'Union européenne soutient fortement et très engagée à tout ce qui est le soutien pour les initiatives culturelles, ce qu'on appelle l'économie orange. Donc il y a certainement qu'on pense à Haïti, on pense toujours à sa musique, sa littérature, sa créativité. Ça me vient tous à l'esprit. Et il y a certainement un côté ludique de ces activités, c'est ça. Mais il y a aussi un côté économique de création d'emplois qui est très très important. Par exemple, à l'Union européenne, c'est autour de 7% de PIB et de l'emploi qui est lié à ce qu'on appelle l'économie orange, donc activité créative. Dans le cas d'Haïti, c'est un des chiffres, c'est autour de 10% d'emplois, ça veut dire un chiffre très important, tout confondu, artisanat, musique, littérature, etc. Donc, notre soutien à cette initiative, déjà dans sa 15e édition, qui vient à partir du programme d'Aroche. Donc c'est l'action renforcement organisation culturelle haïtienne. C'est vraiment un plaisir de soutenir cette nouvelle émission. Cette année, c'est l'Allemagne, un pays membre de l'Union européenne qui est invité d'honneur, avec aussi la participation des autres États membres présents ici en Haïti, la France, l'Espagne, ainsi que l'organisation Wallonie Bruxelles. Voilà, moi personnellement, j'ai participé, j'ai eu l'honneur, vraiment la joie de pouvoir participer, venir chaque fois, chaque année au Pap Jazz. Et c'est incroyable la qualité, l'engagement et l'impact que cela a sur la dimension culturelle du pays, à l'intérieur et à l'extérieur. Avec ça, moi, j'ai fini. Merci. Merci un peu. Merci beaucoup. Mesdames les ministres du Tourisme, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes missions diplomatiques, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, Joël et Mélina. Donc le chargé d'affaires à Yves Lassalle, Monsieur Fabricio Poletti, m'a demandé de représenter la Suisse et c'est toujours un plaisir pour la Suisse de prendre part à ce festival, donc qui est à sa 15e édition. Et pour cette 15e édition, l'ambassade porte avec la Fondation Haïti Jazz, le Creole Jazz Project. C'est une initiative novatrice qui vise à revêtir le jazz des couleurs locales et à paver la voie à des opportunités multiples. Une pléiade d'artistes d'horizons divers y prendront part en parcourant les scènes aussi bien à Port-au-Prince qu'à Jacmel, qui a toujours été une priorité pour la Suisse en Haïti. Le Creole Jazz Project, c'est une résidence artistique, c'est aussi une offre d'ateliers de formation dans le cadre du Pap Jazz, c'est un concert de restitution à la clôture du festival, c'est aussi un documentaire incluant des entrées de la captation du concert. Donc le documentaire sera de 12 minutes et il est
prévu que ce documentaire soit diffusé dans des festivals de jazz en Haïti, mais aussi dans des festivals de jazz dans la Caraïbe et notamment sur les réseaux sociaux. La Suisse valorise en Haïti l'art et la culture en tant que connecteur et médiateur de cohésion sociale et également comme vecteur de développement inclusif et partagé. Bon festival à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, Madame, Monsieur le Ministre, Messieurs les ambassadeurs, les représentants des ambassades, chers partenaires du Festival international de jazz de Port-au-Prince, je vais vous lire quand même le mot du gouverneur Jean-Madame Dubois à l'occasion de ce festival. La Banque de la République d'Haïti encourage les initiatives durables qui proposent des offres culturelles diversifiées et de qualité à la population haïtienne, comme celles présentées par le Festival international de jazz de Port-au-Prince, bien sûr tout en évitant les festivaliers à respecter les consignes des autorités sanitaires relatives au coronavirus. Dans l'agenda de la 15e édition du Festival de jazz, la visibilité culturelle, la visibilité autour de la créativité et l'hospitalité haïtienne seront au rendez-vous. Voilà pourquoi la Banque de la République d'Haïti s'estime heureuse de s'inscrire aux côtés du ministère de la Culture, du ministère du Tourisme, des ambassades et des autres partenaires du Festival de jazz dans la promotion renouvelée des performances artistiques et des échanges culturels sur place et via Internet entre les artistes d'ici et d'ailleurs. La BRH salue donc l'engagement des créateurs à l'honneur et conseille une nouvelle fois à tous les festivaliers de se recréer sainement afin de mieux profiter à l'avenir de l'évolution et du rayonnement du jazz en Haïti et dans le monde. Encore une fois, les gestes barrières, les consignes sanitaires à respecter à l'occasion de ce festival. Je souhaite à tous et à tout au nom de la Banque de la République d'Haïti, bon festival. Mesdames, Messieurs les organisateurs, leurs excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs des pays amis et leurs représentants, Monsieur le ministre de la Culture, Mesdames, Messieurs les partenaires du festival Pop Jazz, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités, le ministère du Tourisme est ravi d'être parmi les institutions qui supportent ce festival, devenu un événement incontournable. Haïti a un patrimoine visuel, artistique et historique très riche, en témoigne la dimension de cet événement et la qualité des artistes qui nous visitent durant le festival, sans oublier bien sûr nos musiciens et groupes musicaux haïtiens qui seront aussi de la partie. Salutations aux partenaires qui ont toujours supporté cet événement de si grande envergure. Félicitations à la Fondation Haïti Jazz, particulièrement Milena Sandler et Joël Widmayer, cheville ouvrière de ce festival. Nous les félicitons aussi pour leur engagement et leur courage en assurant l'organisation de cet événement de qualité depuis 15 ans. Notre musique en général, le jazz en particulier, peut devenir une locomotive pour notre tourisme. Les opérateurs culturels rendent plus attractives les destinations, Des activités culturelles comme celle-ci sont d'une importance capitale pour le développement de notre tourisme. Le ministère du Tourisme profite pour remercier et féliciter tous les opérateurs culturels pour leur accompagnement durant les fêtes de fin d'année malgré les COVID, malgré les contraintes imposées par COVID-19. Nous invitons le public à participer activement à ce festival qui aide à rehausser l'image d'Haïti tout en, bien sûr, respectant les mesures barrières contre la propagation de la pandémie. Nous invitons les opérateurs touristiques à offrir le chaleureux accueil qu'ils réservent toujours aux voyageurs, à ces artistes de renom qui visitent notre cher Haïti. Notre présence aujourd'hui, le ministère de la Culture et moi-même, le ministère du Tourisme, traduit la volonté et l'engagement de l'État à accompagner toute initiative visant à promouvoir la culture et l'art haïtien d'une part et la culture internationale en général. Merci à tous les partenaires, merci aux artistes, merci à tous pour votre support d'une manière ou d'une autre. Le ministère du Tourisme
et le ministère de la Culture, nous serons toujours là pour accompagner cet événement pendant toute la durée de ce festival. Et encore une fois, bon festival à tous. Merci. Merci Joël et Payer. Merci Elena. Merci aussi à Haïti Jazz de nous accueillir encore une fois cette année à cette 15e édition. Je dois remercier d'abord, et il y a la presse qui est là, que je tiens à remercier parce que chaque année la presse couvre cet événement et lui donne l'envergure qu'il a aujourd'hui. Merci à toute la presse. Donc, j'ai aussi tout un staff avec moi, c'est le secrétaire d'État à la communication, M. Eddie Jackson Alexis, le directeur général du ministère de la Culture, M. Départ. J'ai Mme Stéphanie Saint-Louis. C'est important pour moi de saluer ce personnel, le directeur de communication du ministère. J'ai amené tout le monde avec moi cette année. Et c'est pour vous dire que le ministère, dans son entièreté, est derrière le festival de cette année. Je salue ma collègue du tourisme, Mme Myriam Jean, et je salue les ambassadeurs et, ou leurs représentants, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade de France, l'ambassade du Canada, l'ambassade d'Espagne, l'Union européenne, l'ambassade de Suisse. Je salue aussi François Junior de la BRH. Il faut que je dise qu'au niveau du gouvernement, on est plus nombreux que ça. Il n'y a pas que le ministère de la Culture et du Tourisme cette année, parce que dans ce festival, cette année, vous avez un contexte particulier. Il y a trois dimensions. Il y a effectivement la dimension culturelle qui demande la présence du ministère de la Culture et de la Communication, mais il y a aussi les deux autres dimensions, c'est le sanitaire et le sécuritaire. Le sanitaire, cette année, c'est le ministère de la Santé publique. Et vous avez un festival très fréquenté. Donc, même si notre collègue de la santé n'est pas là, je peux vous assurer qu'elle est là, en réalité, qu'elle sera là durant tout le festival. Et puis, le sécuritaire, comme vous le savez, c'est la police nationale. Et on sera, au niveau du gouvernement, comme ma collègue l'a dit, entièrement ouvert pour que ce festival réussisse. Et en fin de compte, je vais être très bref. C'est pour dire que je suis très heureux que ce soit le jazz qui nous unit. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est le jazz qui le fait. Est-ce que c'est son universalité? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est la diversité? Est-ce que c'est les croisements? Ce qui est sûr, c'est que je voudrais, pour finir, saluer le côté professionnel du travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Survolez très rapidement, très très rapidement, quelques phrases dans chaque partie, parce qu'il y en a quand même 15. C'est beaucoup. C'est le petit marathon que je fais chaque année. Voilà. Alors, on va commencer avec le Abraham Réunion, et c'est du jazz en famille, ce sont les frères et sœurs, les deux sœurs et un frère et un autre batteur qui joue avec eux. C'est un super groupe, une fille, Cynthia, qui chante, une super chanteuse, qui est aussi percussionniste, elle fait plein de choses avec ce qu'on appelle la loop machine, avec sa voix. Elle peut faire un concert, elle peut faire un concert à elle seule, elle fait déjà des concerts à elle seule, et même des claquettes et tout. On attend beaucoup avec impatience ce groupe qui fait bien sûr du créole jazz aussi. Alors je dois dire que le créole jazz est à l'honneur cette année, plus que jamais, parce qu'on a vraiment choisi des groupes de créole jazz qui viennent de partout. Et aussi le projet qu'on a parlé tout à l'heure avec le support de l'ambassade de Suisse, notamment le Créole Jazz Project, je vais parler un tout petit peu aussi, on a déjà parlé. Voilà. Et aussi on est. Alex Jacquemin, une production aussi de la Fondation Haïti Jazz, Alex Jacquemin qui a fait un petit moment en Haïti, qui est un guitariste français, très 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 bon guitariste, qui a étudié au collège à Berkeley School of Music, il est influencé, c'était vraiment la guitare fusion dans toute sa splendeur, quoi. Il fait du rock, du blues, c'est un adepte de Jeff Beck, de Pat Metheny, voilà. Et il sera accompagné par son saxophoniste qui est russe, un saxophoniste qui s'appelle Denis Beliakov, et aussi par le batteur haïtien John Bernd Thomas. C'est un super trio qui sera en pop jazz. Est-ce que je voudrais vraiment présenter Bookman Experience, le prochain groupe? Je ne pense pas. Je veux dire que Bookman Experience, c'est le groupe phare, le groupe racine qui est connu partout dans le monde, qui a déjà participé au festival il y a quelques années, et qui sera de nouveau avec nous, avec bien sûr Petit Bookman, c'est Tilolong, c'est Paul Bookman qui sera avec eux aussi. Et je profite aussi pour présenter le groupe d'Espagne. Alors c'est un duo, c'est piano et guitare.
évidemment, j'adore lequel qui est cubain. Il y a un cubain parmi eux, je crois que c'est le pianiste et le guitariste espagnol. Et ce sera du flamenco jazz, et puis comme on l'a déjà eu au festival, moi j'adore le flamenco jazz, j'aime beaucoup cette musique, et je suis sûr que les guitaristes vont vraiment plaisir à écouter ces guitaristes, qui est le flamenco, qui a une touche unique dans la guitare, qui a une façon de jouer qui est unique, et le flamenco. En plus, c'est du jazz. Là. Voilà. Bouillon Boise, un artiste qui fait du jazz depuis très 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 longtemps, saxophoniste qu'on connaît déjà, haïtien, qui a participé à la première édition du Pop Jazz avec son groupe, et là il revient avec son groupe. Et Bouillon Boise, je me souviens, à New York, des années 80, quand j'étudiais à New York, on a essayé de tenter de monter un groupe de jazz sur le milieu depuis des années, il travaille, c'est un fervent défenseur du créole jazz, il utilise vraiment les rythmes de chez nous et aussi de la musique folklorique d'Haïti pour faire monter son groupe qu'il a, et voilà, il sera avec tous ses musiciens, avec son groupe, il sera au Pop Jazz. Sylvia Kamimi, une jeune chanteuse camerounaise, voilà, on a découvert cette chanteuse vraiment grâce à Coralie. Elle a dit, voilà, il faut que vous preniez cette fille, elle est magnifique, tout ça. Effectivement, on l'a écoutée, elle est super, super chanteuse. Elle vient avec son pianiste, très, très excellent pianiste, qui est connu parmi les meilleurs en France aussi, pianiste français. Et elle a une super voix, elle va nous apprêter plein de morceaux, et en passant par du Google Porter, le CD Wonder, le YouTube, le style, vraiment des interprétations très intéressantes, jazzy, et vraiment, c'est un plaisir d'avoir écouté cette fille chanter, vraiment. Et Derwish, on a déjà parlé de Derwish tout à l'heure, c'est vraiment du électro-jazz, du gros électro-jazz qu'on n'a jamais eu au festival. Alors, comme je dis toujours, attachez vos ceintures. Il sera accompagné par un batteur haïtien qui n'a jamais vraiment joué en Haïti. Et c'est Patrick Dosséan, un excellent batteur que j'ai connu, jeune petit garçon. Je dis toujours cette histoire, j'ai connu une répétition des éclairs, il venait, après de jouer avec Edmond, des éclairs, il venait, il faut un petit coup sous batterie, à tiens, 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 il jouait, il faut un petit coup. Il voulait toujours jouer, et puis il est parti, et 5 ans après, Patrick Dosséan accompagnait Morane, qui est une femme fabuleuse et chanteuse belge qui est morte il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, on a qui? Encore un autre, est-ce qu'il faut bien le présenter? Claude Carré avec son trio Jazzen. C'est Monsieur Trio, il a au moins 3 trios, 3 formules de trio, ici voilà Claude Carré, et c'est lui le prof par excellence, je veux dire, qui a accompagné et dans le jazz, la plupart de nos guitaristes du jazz ici, il a fait un travail formidable, c'est lui qui a le riche Haïti Jazz Club. Et il sera accompagné aussi par le pianiste de quelques morceaux, il sera en featuring avec le pianiste de Christophe Cravero, le pianiste de Étienne Mbappé. Alors, Étienne Mbappé, super bassiste, très très connu en France et en Europe, un peu partout bien sûr. Étienne Mbappé, sa particularité, c'est le seul bassiste au monde qui joue avec des gants. C'est pour qu'il ait un son tout à fait à lui-même. Il est un bassiste corps qui joue avec des gants. Un musicien extrêmement sensible, une haute sensibilité, compositeur, auteur et un chanteur aussi magnifique. Il sera avec un batteur grave qui s'appelle, son nom du batteur, Nicolas Vicaro, un tête chargé batteur, vraiment magnifique. Et monsieur Étienne Mbappé accompagne et va jouer avec des grands, des monstres du jazz, vraiment, comme Zawinul Syndicate, comme John McLaughlin, Ultra Métis, Santana, Ultramarine, voilà, c'est Mario Canonge, que vous connaissez tous, voilà, c'est un grand monsieur qui sera avec nous. Même Fouloudja, tout le monde connaît Fouloudja, c'est le rara par excellence du pop jazz qui sera là avec nous, mais il faut avoir le masque pour entrer dans la bande, ça c'est une dernière bande là, il faut absolument porter votre masque. Et James Martin, qui vient de la New Orleans, c'est du groove New Orleans, vraiment. James Martin, un jeune musicien, excellent saxophoniste, très bon chanteur. La hit actuellement, qui est au chœur de Billboard, qui est 9e position au Billboard, Keep Moving. Excellent, qui va vraiment, qui est un super groove, qui est du blues, du jazz, du funk, vraiment un super mélange. Jazz and Family, jeune groupe haïtien, c'est vraiment, je peux dire, le jeune trio, ses 2 frères. Et qui sont vraiment, on l'aime vraiment, qui le pianiste vraiment, et le Fiatexi, qui est vraiment un super pianiste, qui dans le jazz ici, qui fait énormément de progrès et qui arrive à un très très bon niveau. Et voilà, ils seront aussi au festival, ils font du créole jazz et du vrai créole jazz aussi.
John Bantuma, le batteur par excellence, le plus coté, le plus demandé, partout qui joue avec tout le monde, toutes sortes de musique. John Bantuma est le batteur peut-être plus versatile de l'île. Il peut jouer Bantu. Et là, il y a un nouveau projet qu'il présente. Son band est devenu, il avait un trio, il avait un quartet, mais là, il y a plus que, son neuf sur scène. Et il a deux trompettistes, un saxophoniste avec lui, tous les musiciens chez lui. Et voilà, on fait de bonnes choses avec cette nouvelle formule. Et John Bantuma, qu'on connaît déjà, qui a fait plein de choses déjà ici. Encore du créole jazz, à l'honneur, c'est John Bantuma qui présente cette nouvelle formule en faisant du créole jazz. Une artiste de Trinidad et Tobago, c'est Joanne Francis, qui n'est pas une haïtienne, non, le nom pourrait être une haïtienne, mais elle n'est pas haïtienne, Joanne Francis. Et je crois qu'on n'a jamais eu de sipen festival une fois. Et ça, c'est le deuxième fois qu'on va avoir du sipen. C'est un instrument vraiment que, à chaque fois qu'on a l'occasion, vraiment, j'encourage à faire venir ces artistes ici, parce que je pense que c'est un instrument qu'on a pu faire ici, utiliser, jouer ici, parce que c'est du fer découpé. Comme on fait du fer découpé ici, c'est le sipen, c'est fait avec la même matière. Et c'est juste une façon d'accorder tout ça. Donc je crois qu'il va avoir un atelier là-dessus aussi. Un atelier, voilà. Et qui, bon, je m'encourage tout ce monde à aller participer à cet atelier. Alors elle, c'est du calypso jazz, voilà, aussi simple que ça, pour aller vite. Créole Jazz Project, voilà, Créole Jazz Project, c'est le projet de la Fondation Haïti Jazz. Alors on a voulu mettre le jazz, le créole jazz en avant, comme on fait d'habitude, et là on a voulu vraiment mettre le paquet en choisissant vraiment les têtes de pont, vraiment des gens très 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 influents, très très forts dans le créole jazz, et comme par exemple Malika Tirolien, une chanteuse magnifique, elle est de la Guadeloupe. Alors on a réussi à réunir plein de gens de différents créole jazz men, je peux dire, de par le monde. Malika Tirolien de la Guadeloupe, extraordinaire chanteuse qui joue avec Saki Popi, qui a fait plein de collaborations avec des artistes super importants sur les États-Unis et en Europe. Jacques Schwarzbach, excellent saxophoniste, Schwarzbach qui est prof à Berklee School of Music, qui est celui qui sera le directeur musical du projet. Arvel Nakundi, batteur haïtien et congolais, voilà, et Mouchimil Maïr au piano, et Gérard Kébrol à la basse. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est qu'ils sont en résidence, ils vont monter les musiques de chacun d'eux, ils vont réinterpréter leur musique, revisiter chacune de leur musique d'une autre manière, et nous présenter ça, qui sera situé le samedi 23 à la clôture du Pape Jazz. C'est un super, super projet que j'attends avec impatience. Oui, effectivement soutenu par l'ambassade de Suisse. Merci à la Suisse pour ce magnifique projet. Voilà, il faut des supports comme ça pour supporter ces projets-là. On espère que, alors ce projet, la Suisse, on va le faire chaque année. Ah, voilà, je vous dis, on va le faire chaque année. On espère pouvoir trouver les fonds capables de le faire, parce que vraiment, il y a plein de jazzman et créole jazzman partout dans le monde. J'ai oublié qu'il y aura surtout aussi l'harmoniciste extraordinaire Olivier Kerr-Ouriot, qui vient de La Réunion. Donc, on a vu La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Haïti. C'est un super triangle de musiciens de créole jazz. Mehdi Gerville, qui vient aussi de La Réunion. Voilà, La Réunion est très bien représentée au Pape Jazz. Et Mehdi Gerville, qui est déjà venu au festival, la première édition du Pape Jazz. C'est un super chanteur, excellent compositeur, auteur-compositeur et pianiste vraiment hors pair, qui est considéré comme le meilleur de l'océan Indien, le pianiste de jazz. Créole jazz, voilà. Et lui, c'est du Maloya jazz. Son dernier album qui fait du Maloya jazz. Voilà. Il y a du Créole jazz, du Maloya jazz. En fait, c'est à peu près de la même famille. On peut appeler ça aussi du Vodou jazz, du Caribbean jazz. Il y a tous les noms, mais nous, on préfère dire Créole parce que nous sommes de la même famille. Nous sommes issus de la même histoire. On a le même parcours. Donc, et puis, c'est la même formule. C'est les rythmes de chez nous, l'essence de le rythme et de notre musique, et qu'on fusionne le jazz. Voilà. Quand on fait à peu près la même chose. Donc, c'est une grande famille. Allez, on est déjà parlé de Mélissa Dauphin, la scène canadienne, qui sera représentée au festival. Mélissa, la chanteuse à la voix suave, et je trouve que vous allez vous régaler avec Mélissa. Et le Real Project, qui vient directement de Cuba, c'est des jeunes musiciens cubains qui ont la pêche grave, qui font exactement un mix de musique cubaine et de la pop, du R&B, du fond, et voilà. Et même aussi de faire une touche de rock là-dedans. Donc Real Project, c'est de jeunes musiciens cubains qui sont avec nous. Et pour terminer, SMS Créole, un jeune groupe, ici, moi, c'est le jeune groupe qui fait du créole, qui est peut-être le plus, qui ose davantage ce mélange de pop et de créole jazz qu'ils font. Ils sont très bien, ça chante, il y a du groove. Ils ont augmenté encore aussi, eux, leur effectif, ils sont avec des cuivres aussi, donc voilà. Et
supervisaire. Et finalement, Zeki, je ne veux pas parler de Zeki. J'ai dit visiblement, je parle de Zeki, je suis désolé. Bon, moi, je vais en parler pour lui. Merci. Pour la première fois au festival, on a l'honneur pour cette 15e édition de recevoir le groupe de Joël Widmayer, Zeki, groupe mythique, légendaire, qui a révolutionné la musique de son époque, des années 80. Et donc, première fois gratuit à l'université Quisqueya sur la scène Barbancourt. Donc, lundi, attachez vos ceintures, il y aura Zeki. Merci de diffuser mon âge publiquement, très bien. Les années 80, oui. Alors, oui, c'est le projet Zeki qui sera là, c'est un genre de flashback. On va essayer de réunir tous les membres de Zeki. Voilà, donc on vous attend. Parole tombée, je n'ai pas parlé de parole tombée, désolé. Parole tombée. Alors, pour moi, ce groupe Parole tombée, c'est le jeune musicien qui suit, peut-être qui, j'espère pour eux qu'ils arriveront aussi loin que beaucoup de l'expérience. Ils sont sur une très, très, très bonne piste, parce qu'ils ont beaucoup d'imagination, et aussi la rythmique est d'enfer en ce groupe-là. Et c'est des jeunes percussionnistes, et vraiment, ça promet beaucoup. Je crois que c'est le groupe le plus prometteur, Racine, parce qu'ils nous, on le fait au moment, le groupe à la musique Racine, comme vous savez, depuis quelques années, ça a beaucoup baissé, et avoir des groupes comme ça qui se naissent aujourd'hui, qui fait de la musique Racine, ils sont bienvenus au festival. Parce que nous, dans ce festival, comme on sait toujours faire de la musique, on est ouvert devant à beaucoup, beaucoup de musique. Toute la diversité de la musique haïtienne, la chanson, la musique racine, le créole jazz évidemment. Et voilà. Les artistes des acteurs. C'était pas fini, je pensais que c'était fini, c'est pas fini. Alors, les artistes des acteurs, on a. Voilà. Alors, Marie-Antoine, jeune chanteuse. Baby Joe, que vous connaissez sûrement, qui a plein de vidéos déjà sur YouTube. Il a une super voix, ce chanteur, vraiment une très très belle voix, bien produit, ses yeux sont super produits. Et je l'ai écouté chanter autre chose que vous chantez, que vous connaissez sur YouTube. Il va vous étonner dans les acteurs, il peut chanter plein de choses, de magnifiques voix. Les Régine Quartet, un jeune groupe qui fait du créole jazz aussi. Zanotai, Zanotai, c'est le jeune musicien encore très jeune, avec la participation de Maxime Lafay, excellent trompettiste. Peut-être le meilleur trompettiste qu'on a, que du créole jazz. Cacatoès, on a voulu mettre aussi un petit peu en avant la musique troubadour. Cacatoès, qui fait un peu le mélange troubadour, que j'aime beaucoup. Robinson Desi, excellent guitariste, très versatile, qui fait du créole jazz et du jazz et beaucoup d'autres choses. Et Terry Job Pierre, très très bon chanteur, jeune chanteur. Et encore aussi Alex Jacquemin, qui sera aussi au Jacquemin, que je viens de parler tout à l'heure. Voilà, alors. C'est pas fini. Les scènes découvertes, alors, les scènes découvertes, voilà. On évite à faire les scènes découvertes, merci. Alors, les scènes découvertes, les jeunes musiciens dont parlait tout à l'heure Madame Ballet de l'Institut français, la scène découverte cette année sera donc à l'Institut avec Gineka Juste, Duverly Jacques, Plaisir Musique au féminin et chez le Club Musique. Donc voilà, quatre groupes de la relève, qui font pas nécessairement du jazz. La scène découverte est ouverte à tous les styles de musique. C'est l'idée, c'est de donner vraiment un vrai public et des conditions, de bonnes conditions à ces musiciens pour qu'ils se produisent. Nous voulons remercier le ministère de la Santé publique qui est à la conférence, toutes les personnes que je vois là. Merci d'être là. Qui sont venus pour vérifier les mesures barrières, distribuer des masques, qui ont pris la température et qui ont donné du gel hydroalcoolique. Donc merci beaucoup au ministère de la Santé publique de nous accompagner. Un grand merci à Politour qu'on a rencontré il y a deux jours. Donc merci au ministère du Tourisme pour ça. Politour nous accompagne chaque année et vraiment s'assure, ainsi que la PNH, de la sécurité du festival. Et merci bien sûr à la Croix-Rouge, qui est aussi sur toutes les scènes du festival. Et également, merci à au médecin officiel du Pack Jazz, docteur Eddie Jean-Baptiste. Voilà, merci à notre magnifique équipe, merci aux bénévoles, merci à tous les membres de la presse qui relayaient l'information. C'est grâce à vous que le public est au courant de ce qui se passe, donc un grand merci. Et merci à notre public solide et solidaire. Et le dernier mot, pour notre sécurité à tous et pour nous donner raison, s'il vous plaît, d'avoir, envers et contre tout, décidé de maintenir la réalisation du festival en présentiel, on demande au public
vraiment d'agir de façon responsable et de pratiquer les gestes barrières. Voilà, vous avez vu, on a fait ce petit dépliant qui va être distribué un peu partout. Il y a une jolie affiche à l'intérieur. Mais surtout, on vous invite à télécharger l'application mobile Pape Jazz Haïti. Vous aurez en temps réel donc la programmation, les bios des artistes, les changements s'il y en a. Tout est sur le site du Pape Jazz également. Et voilà, regardez les réseaux sociaux de nos partenaires également, du ministère du Tourisme, du ministère de la Culture, de la BRH. Merci à vous tous, merci aux ambassades et à toutes les institutions partenaires de ce festival. Bon festival. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, c'est le moment de venir les poser. Coralie est là avec son micro. Voilà. Et dites aussi à qui s'adresse la question, s'il vous plaît.